populaire pour bâtir un projet commun qui permette aux Français de voir en eux les héritiers de la gauche qui défendaient les ouvriers face au mur de l'argent en 36, qui bousculaient les conservatismes et libéraient la sexualité en 68, qui régularisaient les sans-papiers en 81 et créaient la CMU en 97. Et cette gauche, elle peut aussi être la nôtre, celle qui défend les locataires en appliquant l'encadrement des loyers dans toutes les grandes villes, celle qui se soucie autant de la condition des femmes en France que dans les pays occidentaux des familles, celle qui défend la laïcité, non pas comme arme contre l'islam, mais comme loi de liberté. Oui, il nous reste de nombreuses réformes à faire pour plus de justice et d'égalité, mais n'oublions jamais que la réforme, ce n'est pas la destination, c'est le moyen de transport, et que notre destination, c'est le socialisme. Merci, Jean-François.